On passe à l'actualité de la vidéo. Cette semaine, Marie Mamjoglou vous a choisi trois films qui racontent des destins de femmes. Et on démarre cette sélection avec le film Divine, qui a remporté la Caméra d'Or au Festival de Cannes l'année dernière. C'est un film, voilà, c'est assez percutant, une sorte de tragédie contemporaine. Alors, c'est à la fois, vous allez voir, avec ces quelques images, c'est à la fois sombre, mais assez drôle. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Le sourire. Ah, mais c'est bon, ça va, on a compris, ça fait 10 fois qu'on le fait. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, Nantal? J'aimerais bien savoir, toi. Bah, comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Dounia rêve de gagner beaucoup d'argent et avec sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces d'une dealeuse. Rebecca, tu veux quoi? On va bosser pour toi. Tu te crois pas l'emploi, quoi? T'as du clitoris, j'aime bien. Premier essai très réussi pour Ouda Benyamina. Elle signe un film sincère et bouleversant, porté par la révélation Oulaya Amamra. On n'a qu'à juste se poser, visualiser, la thune, la vie, comme tu dis. T'expliques comment c'est ? Vroom ! Vroom ! Divine, un film aussi humanitaire que féministe, c'est bourré de rythme et d'audace, une Caméra d'Or à Cannes bien méritée. Les mecs, c'est comme les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Mais toi, t'as souvent l'air d'avoir peur. Non, j'ai pas peur. Oh, tu vois que t'as peur? Bah, t'es flippante aussi, hein. Enlève tout. Profession? Prof. Intellectuel, ça change. Accusée de complicité d'évasion, Mathilde est emprisonnée pour couvrir son compagnon. Tu touches à mes affaires, je te crève. T'as une idée de ce que ça m'a fait, moi, le coup du flic, là, qui m'appelle, là, pour me dire que ma mère est en taule? Arrête, Adrien. Arrête de faire le môme, là. Vous avez permis l'évasion de votre mari en lui fournissant une arme en main propre. Vous devenez complice d'homicide volontaire. Ma codétenue m'a menacé de mort. Je veux changer de cellule. Sophie Marceau nous bluffe. Elle livre sa meilleure performance depuis longtemps. La Taularde est signée Audrey Estrougo, un film réaliste et sans concession avec d'excellentes comédiennes. Vas-y, sors si t'es un bonhomme! Tu gagneras pas, le roi! Je me sens pas très concernée par le sexe en ce moment. Tu veux pas venir t'allonger plutôt? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télo BG75. Sexe, 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 je suis écœurée. Victoria est une avocate en plein néon sentimental. Elle accepte à contre-cœur de défendre son amie accusée de tentative de meurtre. Complètement folle. Moi, c'est pareil, je vais très très mal. Monsieur Mallet, c'est un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusée de quoi? La réalisatrice Justine Triet offre à Virginie Efira un très beau rôle. Elle est sexy, drôle, paumée, touchante. Elle est juste génialissime. Il dit que vous lui avez arraché sa culotte violemment. Non, et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu parce qu'elle ne portait pas de culotte. Mais souviens-là. Je dînais à la sortie de l'école. Non, je plaisante. Non, mais je te dis que je cherche un babysitter, moi. Ouais, ton jeune homme au père. Là, t'as plus d'appart. Ok, tu sors ce soir? Non, j'ai rendez-vous avec un mec dans ma chambre. Ah, d'accord. Mais je juge pas. Victoria est une comédie un peu dingue, au rebondissement surréaliste et au dialogue cash. C'est excellent à voir absolument. Mike is a good kid, man, he doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why. Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous? En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame normalement développé. Voilà, à vous de faire votre choix à partir de cette sélection de Marie Mamjoglou.